Alors surtout, il va falloir faire circuler le ballon, car c'est ce qui est important au début. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un beau spectacle. A priori, on ne devrait pas s'en... Et but ! Oh non, c'est dedans ! Oh, quel départ catastrophique ! Notre gardien avait à peine mis les gants qu'il a déjà encaissé un but. Sur ce but, vous avez vu Christian, il ne s'est pas posé de questions. Ça a été un véritable killer. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Voilà, ça c'est un avertissement. Je ne pense pas que l'entraîneur il va être content. Hein. Ils ont laissé les adversaires se promener entre la défense et les laisser marquer comme ça d'entrée. C'est une catastrophe. Encore une belle occasion. Bien joué, ils ont le ballon, ils vont pouvoir attaquer. Il déclenche une frappe. Il est dans la surface, face au gardien. Une solide défense ici. Il déborde sur l'aile. Il a dégagé. Bien joué, la demi-volée! La frappe a été détournée. Ballon aérien. Superbe tête. Qu'arrivera-t-il? Malgré la charge de l'adversaire, il tient debout. Il manque vraiment de coordination. Centré. Le ballon subtilisé par l'adversaire. C'est une chance d'égalisation. Il conserve la possession du ballon. Bon dégagement. Le ballon est attrapé par le gardien. D'une aile à une autre. Interception de la défense. La défense a récupéré le ballon. Le ballon subtilisé par l'adversaire.
ont besoin d'aide derrière. Bonne maîtrise du goal. Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué de la part du défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Et Van Bronckhorst. Super 1-2. Va-t-il trouver le bon timing? Ça pourrait être un centre. Quelle belle demi-volée! Il a complètement gâché cette occasion. C'est impossible de marquer de là, l'angle trop fermé. Encore une occasion de centrer. Les supporters vont être déçus par cette frappe. C'est terrible parce que le ballon était vraiment bien donné. C'était une transversale parfaite. Elle n'est pas arrivée au moment où il fallait, quand il le voulait, mais ça aurait pu faire un but splendide. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du bon mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Centre détourné. Chandelle. Oh là là, celle-là, il ne fallait pas la rater. Un corner de plus bien mérité. Il l'envoie au milieu de la surface. Ça peut être dangereux. Ils peuvent construire quelque chose. Perte du ballon, attention! Lichunso. Est-ce que c'est dans la surface de réparation? Ouf, c'était pas loin, mais c'est pas dans la surface. Les adversaires ne peuvent plus se permettre. Aïe, c'est pas une catastrophe, mais attention! Ça fait deux buts encaissés et ça va être difficile à remonter maintenant. Quand on voit des buts comme ça, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. On n'a qu'à se le repasser en boucle et le revoir à la télé. ...2-0, c'est vraiment une bonne avance. Et là, je peux vous dire que ça a mis un coup de bambou à l'entraîneur et aux supporters. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il change tout. Hein. Tactiquement, techniquement. Et le but qui va suivre, je peux vous dire qu'il va avoir une importance capitale dans ce match. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Ederson. Il a plusieurs solutions. C'est au fond, il n'y a plus qu'un but d'écart et il reste du temps. Tranquille, tranquille. Si tu laisses libre de tout marquage, le passeur et le buteur, voilà ce qui risque d'arriver. Une première lame ajuste l'ouverture et la deuxième marque le but. Ça, c'est tranchant. Ils ont un but d'avance, 2-1.
Zenden. Nouvelle occasion de centrer. C'est pas mal sur le plan défensif. Ils peuvent construire quelque chose. Pas de problème pour le gardien. Puis Vasto. Il reprend le ballon maintenant. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Encore une occasion de centrer. Bien joué. Construire quelque chose. Il y a chippé le ballon et ça peut être dangereux. La frappe est décochée. Le gardien n'a pas été très bon, mais les défenseurs ont bien joué le coup. Corner. Ballon brossé vers le but. Oh non, il le dévie dans son propre but. Ça, c'est le genre de but qu'on n'aime pas revoir au ralenti. Le match est totalement relancé, impossible de savoir qui va gagner. Voilà, ça c'est inscrire un but égalisateur au meilleur moment. Là ça va aller pousser, je pense qu'ils vont prendre tous les risques avant le coup de sifflet final. Nous sommes dans le temps additionnel, l'arbitre regarde son chrono, il reste une poignée de secondes. Et c'est un coup de pied de coin. Vont-ils pouvoir aggraver la marque? Le ballon sort en touche à un très bon endroit. Coup de sifflet, c'est la fin des 45 premières minutes. Les deux équipes sont à égalité et comme on a assisté à un match un peu folle dingue, on va avoir le temps de souffler un peu et d'aller boire un coup, Christian. Allez, nous sommes repartis, les joueurs se sont bien reposés et les tirs devraient être cadrés. Après la pause, pas de changement. Visiblement, on maintient la confiance au 11 de départ. Une défense intraitable, superbe. Encore une belle occasion. Que va-t-il faire maintenant? Légèrement à côté du poteau droit. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de ballon qui surprend tout le monde. Ça passe à 200 à l'heure et on n'est jamais là pour mettre le ballon quand il faut. Nouvelle occasion de centrer. C'est bien défendu, le danger est repoussé.
peut-être le tournant du match. Il y a du but en l'air. Bien défendu. Très bonne inspiration sur cette passe. Ça peut se terminer au fond. Il essaie de marquer. Il frappe directement. En plein milieu de la surface de réparation. C'est pas fini, ça peut revenir. Une nouvelle occasion et peut-être cette fois un but à la clé. Ballon aérien. Et c'est un nouveau corner et une nouvelle occasion. Chandelle. But. Quel renversement de jeu. C'est absolument génial. Hein. On mène maintenant. Il te faut vraiment un bon positionnement, une bonne concentration, un bon timing pour marquer des buts comme ça. En voilà un autre. C'est donc un doublé et à mon avis, il ne va pas vouloir s'arrêter là. Le score est de 3-2. Un but d'écart, c'est pas beaucoup. Là, c'est le bon moment. On sent qu'ils ont envie d'enfoncer le clou à marquer un autre but. Et prendre des risques, ce n'est pas trop l'habitude de ce coach. Il lâche une frappe. Trajectoire coupée par le défenseur. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. C'est dommage parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Il déborde sur l'aile. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Coup de tête. C'est dans le mille. Mais non, il est où le gardien là-dessus? Il doit intervenir, c'est pas possible. Et en frappant ce poteau gauche, on a quand même cru que le ballon n'allait pas rentrer. Et même avec de la chance, un but, c'est un but. C'est la fête pour les attaquants, mais franchement, les défenseurs ne sont pas à la hauteur. Ah, là, il lui arrive vraiment ce qu'il ne voulait pas. Là, l'entraîneur, il va falloir qu'il prenne quelques décisions délicates. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il va aller chercher un autre but. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le nul. Moi, je ne sais pas. Moi, vu d'en haut, hein, j'irai chercher la victoire. La défense a récupéré le ballon. Nakai. Ce sera une remise en jeu. Et c'est le premier remplacement de la partie pour cette équipe. Au moins avec ce changement offensif, on a bien compris les intentions de l'entraîneur. Bon ballon. Encore une occasion de centrer. Oh, ce contre, il peut mener loin. Mais où est la défense? Il sort de ses cages et le ballon atterrit directement dans ses mains. Off. Ah,
superbe ballon. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. C'est une bonne touche. Action dangereuse, il peut marquer. Le ballon passe derrière les filets, 6 mètres. Le danger n'est pas écarté. Ils peuvent construire quelque chose. Quelle belle occasion! Corner, excellent travail de pressing de la part de la défense. Qui va le prendre dans la surface? Du pied, dégagement sûr. Bonne reprise du défenseur. Encore une belle occasion. C'est superbe. C'est au fond. Quelle belle réaction. Quelle belle réaction d'orgueil. Ils reprennent l'avantage. C'est souvent que ça arrive, ça, quand un joueur rentre sur le terrain. Ça déstabilise l'organisation adverse et on oublie de le prendre en marquage. C'est un super score, mais il peut se passer plein de choses. Oh, ils viennent encore une fois de casser les rênes de la défense. Et ça pourrait être le but de la victoire. Avec tout ce qu'ils ont donné, remarquez, ça se mérite un petit peu. Hein. Nouvelle occasion de centrer. L'attaque ne donnera rien. Lee Chun-so. Oh, que ça va partir vite. Encore une belle occasion. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Là, Lanzat. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Ils ont littéralement confiance. Faute incontestable. Il va peut-être marquer. Très belle intervention. Le goal a dégagé le ballon. Corner. Un ballon fouetté vers le but. Ils peuvent encore se permettre d'avancer. Un exemple parfait de changement d'aile sans effort. Encore une occasion de centrer. La défense devra faire attention sur cette touche. Dégagement. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure.
Ederson. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Ederson, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. C'est beaucoup trop imprécis. Il est sorti du jeu. Ils peuvent construire quelque chose. Bonne action, le ballon est récupéré. Encore une belle occasion. Lee Chun-so pour Lanzat. Une longue passe. Encore une occasion de centrer. Off. Makai. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Erreur de la défense sur le côté. Une occasion gâchée, c'est plutôt maladroit. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. Lanzat. André Bayer. Off. Et Lanzat. Zenden. Encore une belle occasion. Corner. La balle s'approche du but. Bien vu. Zenden. Long ballon en profondeur sur le côté. Nouvelle occasion de centrer. Va-t-il trouver le bon timing? Il va marquer. Et le pressing, ça paye. La touche est bien placée. Encore une belle occasion. Et Lanzat. Le gardien est en danger. Le ballon a franchi la ligne. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Encore une occasion de centrer. Nouvelle touche. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Et Lanzat. Encore une belle occasion. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Zenden. Mitchouf. C'est pas bien joué, la passe est ratée. Makai. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Pas moyen de passer cette fois. Bien défendu, le ballon est récupéré. Cette passe n'est pas arrivée. André Bayer. L'adversaire est un petit peu perdu. La position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Zenden. Un but, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux équipes. Il reste 5 minutes à jouer. C'est un bon travail défensif. La défense est déstabilisée.
C'est bien de la part des défenseurs. Lichus. Lichunso. Ce ballon est beaucoup trop mou pour espérer quoi que ce soit. Il déborde sur l'aile. Bonne interception. On peut relancer. L'entraîneur commence à avoir peur. La zone de jeu est dangereuse. Il faut pouvoir écarter ce ballon. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Lanzat. Lucius. Il ne se précipite pas. C'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. Quelle lecture du jeu, il n'y a rien à dire. Ils peuvent construire quelque chose. Attention, il frappe. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. Ah, je crois qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper, la défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Ils ont pris le bon chemin, le ballon tourne bien. Il faut encore gagner quelques secondes. Ils reprennent le ballon. Zenden. Une minute de temps additionnel. Ce tacle n'est pas réglementaire. Coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune. C'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain, ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment les supporters aimeraient en voir plus. Ils ont passé les lignes arrière. Nouvelle occasion de centrer. Action dangereuse, il peut marquer. Très bonne maîtrise défensive. C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle. Il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là. C'est beau. C'est très beau. Que la victoire est belle. Elle est toujours belle. Mais aujourd'hui, elle est vraiment très très belle.